Bonjour à tous. Bonjour Mochip. Comment vas-tu? Tu me répètes la même chose. Hop. Allez, je lance le jeu. Aujourd'hui, on se retrouve pour Avatar. Première fois que j'y joue. Et j'étais vraiment impatiente de l'essayer. Alors, est-ce que vous voyez bien l'image? Bonjour Kibar. Nickel, merci. Bonjour Marina, nananan. Donc aujourd'hui, premier épisode du jeu Avatar. Alors, est-ce que je peux jouer avec ma manette? Yes. Bonjour. Voyons la tutelle des ambassadeurs partenaires. Quand la RDA a découvert Pandora, elle ne peut pas découvrir quelque chose qui a toujours été là. Ah ah, Ré. On dit découvert parce que ce sont les premiers humains à être venus ici. Quand nous sommes arrivés, nous avons compris qu'il était possible de créer des relations bénéfiques avec les peuples autochtones. Nous avons créé des avatars pour aider à forger des relations avec les Na'vi. Et quand vous finirez vos études, votre rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les clans Na'vi et nous aider à créer ces alliances. Quelqu'un peut me dire comment on pourrait s'y prendre? Ah, allez. La RDA peut partager des médicaments, des technologies et des connaissances. C'est exactement ça, Daylan. Directeur Mercer. Nous avons étudié la mission de TAP, comme vous l'avez demandé. Pourquoi les Na'vi voudraient des alliances avec vous? Ah, Ré. Alma. Tu n'as pas idée de ce à quoi ressemble la vie dehors, Harry. C'est sauvage. On vous a trouvé enfant quand votre clan vous a abandonné. Vous a donné un avenir. Un objectif. Notre clan ne nous aurait jamais abandonnés.
built upon its length. Pas de manquer, tant. Je t'ai laissé garder cette babiole dégueulasse à la seule condition qu'elle reste dans ta couchette. Donne-moi ça. C'était à notre mère, pas une babiole dégueulasse. Tu ne sais même pas ce qu'est un collier de vie. Harry, ce n'est qu'une corde cassée. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois accepter que ta mère t'a abandonné. Menteur! Vous connaissez les règles. Pas de contact physique. Vous êtes privé de dîner. Directeur, s'il vous plaît. Manor? Manor, te pensi. Angang nahu, tam. Sa welunit solanimun. Sa on au fol auna kimulunge. Tu n'es pas supposé parler notre langue dans la base. Quand tu cries la nuit, Taylan. Tu cries en Na'vi. Pourquoi tu prends toujours le parti de Mercer? Le directeur Mercer nous a sauvés. Taylan, ils nous ont arrachés à nos familles. Nous ne sommes que des pousses sans racines. On ne se souvient même pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir. Ici, sur Pandora. Je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre clan. Nous n'avons pas besoin des paroles pour le chanter. On ne peut pas les laisser nous arracher tout ce qui est Na'vi. On doit faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Nous sommes plus forts qu'eux maintenant. Je l'ai senti en classe avec Mercer. On peut tout arrêter maintenant. J'ai une idée. Aon Naka Nekelku. Bon travail, Taylan. On doit se dépêcher. Il ne nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masques. On les a trouvés! Vous me décevez beaucoup. Nous vous avons offert cette vie privilégiée, et vous voulez tout gâcher. On ne veut pas de ta vie privilégiée. Notre place est dehors. Non, vous nous appartenez. Vous vous rendez compte de tout ce que nous avons investi pour vous? Nous vous avons sauvés, donné un foyer, une identité. Nous avons déjà une identité. Nous sommes Na'vi. Non ! Vous êtes ce que j'ai fait de vous. Nous avons oublié les mots. Mais nous pouvons toujours chanter les chants de notre peuple. Arrêtez de chanter. Je vous ai dit de vous taire, arrêtez de chanter! Allez, on rentre chez nous. Aona Kanekelku. Je préviens, Harry, pas un pas de plus! Ça, on m'a Taylan. Wenkiva Nekelku. Arrête-toi! Oh,
Aujourd'hui, nous allons reparler de l'économie terrestre et de la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi on doit utiliser des armes humaines ? Nor, on en a parlé. Pandora est un endroit très dangereux. Mais on n'a presque pas vu Pandora. Comment on peut savoir contre quoi on se protège ? Nortez ! Je dois vous parler maintenant. Les ordres viennent directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Allez vite prendre vos affaires avant que ce soit la panique. Quoi ? On a perdu Pandora. Jack Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les navires contre nous. On aurait dû se méfier d'eux depuis le début. Vous devez récupérer vos affaires et retourner dans votre corps. Maintenant, les marionnettes, c'est terminé. Très bien, les enfants, rassemblez vos affaires. Hé, Cortez ! Je m'en occupe. Vous devez y aller. Vous savez quoi faire. Tu seras en sécurité. La sœur va nous abandonner ? Il n'a plus besoin de nous. Non, c'est pas vrai ! Dépêchez-vous, cachez-vous vite ! Laissez-nous partir. On peut leur échapper. S'enfuir vers Pandora. Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libre. C'est votre seule chance de survivre. Mais, et vous ? Vous allez dormir. Pendant un petit moment. Ce ne sera pas long, d'accord ? Bon, on vient de voir l'intro. Waouh. Déjà, Mercer, c'est un méchant. On va aller se battre contre lui. Bon, je pense que je vais la laisser comme ça, ça ira plus vite. Hop. Je pensais vous avoir perdu, que c'était fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que t'as dormi longtemps, pendant très très longtemps. Wallatikame. Tu n'as pas le temps de l'examiner. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici. La RDA est partie, non? Et tu nous as laissés ici? Ceux qui viennent du ciel sont revenus, Sarentu. Sarentu. On ne m'avait jamais appelé comme ça. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. On pensait vous avoir perdu, mais cette marcheuse de rêve vous avait seulement enfermée dans une boîte. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille, ton corps va se réveiller. Est-ce que tout le monde va bien ? Je suis là. Nor et Teylan aussi. Tout va bien. Nous sommes sortis ! Enfin ! Ça arrive pour de vrai ! Nous allons tous sortir ! Ensemble ! Oh, pourquoi tout paraît si différent ici ? On peut se dépêcher. La RDA approche. Vous bavarderez plus tard. Vas-y, mange. Tu auras besoin de toutes tes forces. On a trouvé des rations dans la cantine. Bonjour Benji. Non. Alors. Où est Yefti ? Est-elle ici ? Qu'est-ce que je peux faire du coup là pour commencer ? Ne me touche pas avec ça. Désolé, j'ai pas vraiment été formé à soigner des navires. Allez, il faut qu'on parte ! Qui sont ces gens ?
Des hommes de Mercer? Mercer est là aussi? Non, non. Ce sont des amis. Ah. C'est nous parti. Allons sortir d'ici, d'accord? Pourquoi je me sens toute raide? Combien de temps avons-nous dormi? À qui tu poses la question, Benji? Nous partirons bientôt. Bah, je joue pour la Gata TV, non? Donc oui, je connais. Alors, manger pour restaurer votre énergie, cela permet à la santé de se régénérer automatiquement. Maintenez LB pour ouvrir la roue de nourriture. Et maintenez X pour consommer. Ok, donc faut que je reste appuyé sur LB et X. Ok. Et oui, on voit en bas de l'écran, au milieu, ma vie qui a augmenté, qui est à fond maintenant. Je sais pas par où il faut que j'aille. Par là ? Les enfants, ils sont vivants. Cortez. Elle a toujours pensé qu'on faisait ça pour le plaisir et pas pour la guerre. On s'en débarrasse. D'où tu sors ? Oh, bon sang. Ah, tu l'as poncé, moi j'ai réussi à pas me faire spoil. J'ai rien vu, aucune image. Donc là, je découvre. Oh là là. Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah. Ah mais là je... Ça saute ici. Ah non, je peux pas. Ah. Je crois que c'est pas par là. Pourtant, c'est la seule porte que j'ai vue. Alors là, je vois pas. Je suis déjà bloqué, c'est le début du jeu. Ah ! N'importe quoi. Être là. Ok, fallait que je prenne beaucoup plus d'élan. Oh, bon sang. Non, non, non. Je me positionne. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Par ici.
Est-ce que ça va? Tiens, prends ça. Une radio? Mets ça dans ton oreille. Il est réglé sur notre fréquence. T'as pas chômé? Ils te cherchaient, toi, mais ils m'ont trouvé. Tu dois partir, vite! Attends! Quel est ton nom? Solek, l'un des derniers de mon clan. J'aimerais éviter que le tien connaisse le même sort. Continue, mais en silence. Allez! Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Il y a des soldats partout. Je pouvais pas passer par là? Franchement, le début il est génial. Déjà de la course poursuite. Oh, elle est trop grande, je peux pas la faire courir. Je trouve pas grand chose. Zorlek, tu m'entends? Où sont les autres? Ils ont réussi à sortir? Je suis en train de les aider. Tu es en sécurité? Pour l'instant, je crois. Je m'occupe des autres. Continue d'avancer. C'est ton droit de ne pas rester dans le coin quand il commence à tirer des rangs. Arrête de regarder ça. T'as entendu Harding, il faut qu'on les retrouve. S'accroupir avec B. Attends, vous rend plus difficile à repérer. Les navis, vous êtes là? Quand un ennemi nous remarque. Mince, j'ai pas lu. On a un cadeau pour vous. Ouais, trop bonne idée. Les vétérans se prennent vraiment pas pour de la merde. Pas les seuls à être réveillés en ce moment. J'ai eu chaud. Bas de quartier, que personne ne s'échappe. Hâte de Non, c'est une vitre, je la voyais pas. Ah, le gymnase est verrouillé. Je vais trouver un autre moyen de passer. Fais attention. Ah, je peux pas, non. Je sais pas si par là il y a quelque chose. T'as vu la taille de ces flèches? C'est sûr. Non. Je suis obligée de descendre. C'est compliqué. Te laisse pas surprendre. J'aimerais pouvoir voir de nuit. Il arrive.
pas, c'est original. Wow. C'est bon, je suis sorti. Ok. Sors, Alec. Je suis peut-être pas au bon endroit. Je vais fermer ma fenêtre parce que je vois pas grand chose. Hein. Parce que là, il fait vachement sombre dans le jeu, donc peut-être mieux voir avec la fenêtre fermée. Alors. Ah bah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Non. Pas la peine de s'inquiéter à son sujet. C'était sa sœur, la véritable rebelle de la famille. L'assassin. Et regarde où ça l'a mené. Quel dommage. Ils auraient pu nous être utiles. Mais nous n'avons plus d'ambassadeur, Navi. Seulement des obstacles. Cours ! Non. Sans Fleck, est-ce que ça va? Oh, c'est pas passé loin. Sans Fleck? S'il faut bien que je monte. Ok. Alors maintenant que je suis en haut... Ah, voilà. C'était à droite. Et donc, ça a poussé à l'intérieur. Ah, la musique a changé. Ok, je vais arriver à l'extérieur. Ah ouais, c'est trop beau. Oh, j'adore.
Magnifique couleur. Et oh, peut-être que les autres ont suivi l'eau. On va suivre le cours d'eau, hein, comme elle vient de le dire. Alors, pour activer le suivi des quêtes, appuyez sur LB. Ok, donc en haut, elle s'affiche « Chercher Solek et d'autres survivants ». Du coup, en suivant le ruisseau. Encore la RDA. Que s'est-il passé ? C'est quoi là-bas ? Alors, il y avait marqué chercher la station de carburant, du coup j'y suis. Ici, près de l'arbre. Près de l'arbre. Seul arbre, c'est là-bas. Par ici. Tu vois enfin de quoi ils t'ont privé. Ton chez-toi. Tu m'as sauvé. Tu n'es pas en état de te battre. Laisse-moi t'aider cette fois-ci. Je vais apprendre à tirer. Il te faut des flèches. Le bois des broussailles est souple. Tu en trouveras. Fais confiance à tes sens. Mes sens ? Les humains ont besoin de lumière. Mais tu es Na'vi. Perçois la forêt comme moi. RB, pour utiliser ses sens. Tu vois ? Ah ! Tu es ici chez toi. La forêt te parlera, si tu l'acceptes. Laisse tes sens te guider. Oups. Inspecter, appuyer L. Afficher le guide des chasseurs. Un buisson qui fournit des tiges résistantes, très utiles pour la fabrication de flèches. Se trouve le plus souvent sur les pentes à travers tout Pandora. Ok, du coup, comment je fais pour récupérer les bâtons ? Ok, j'ai appuyé L. Non. Ah, récupérer, maintenant je peux récupérer. C'est bon, j'en ai. Maintenant, toi aussi tu peux fabriquer des flèches acérées pour percer le métal humain. Alors, fabriquer les flèches, ouvrez la roue des armes, LB... Et maintenez X une fois sur l'arc. Tu es paré. Ok. Nous devons partir d'ici. Tu peux bouger ? Le Dapophet. J'ai besoin d'une cosse de Dapophet. Je vais te trouver ça. Ne t'en fais pas. Sur le rivage, il pousse près de l'eau. Près de l'eau. On va retourner au ruisseau. Alors, pour ouvrir la carte, hop, j'ai fait Select. Repère de carte, appuyez sur A pour placer un repère sur la carte. Ok. Il y a la station de carburant, et puis là, pour le moment, je vois pas autre chose. Hop.
Alors, ça va être où ? Parce que je sais même pas à quoi ça ressemble en plus. C'est quoi ça? L et RT. Ok. Donc là, j'ai récupéré une algue. Il faut que je récupère une cosse de d'apophée. Ah non, c'est la même chose que ce que j'ai pris. Je vois pas. C'était peut-être dans l'autre côté. Pourquoi j'arrive pas à trouver la cosse ? Des soldats. Ah bah je crois que c'est ça. C'est quoi ça ? Maintenez LT pour viser. Pitié, je veux plus entendre parler de ça. Ouais, je veux bien. Ah oui, il faut que je sorte l'arme. La moindre petite fissure dans ce masque, c'est fini pour moi. Solek, je n'arrive pas à trouver. Une cosse de d'Apophet. La plante pousse près de l'eau. Regarde vers le lac. Et où le dernier ? Là. Je crois qu'il n'y en a plus. Non. Faut que je saute pour descendre ? Non. Hop. Voilà. Solek, j'ai trouvé le d'Apophet. Je reviens. Il y avait plus de soldats. Sacoche pleine, ok. Là, il répond plus. Oh purée. Non ! Il ne se laissera pas capturer vivant.
Ah bah il est mort lui. Ah oh, j'ai plus de flèches. Comment je vais faire? Trop si c'était comme ça qu'il fallait que je fasse. Ok, il est où le dernier? Ok. Bon bah voilà. Au moins ça c'est fait. Tu apprends vite. Bullet time activé. Ouais. J'avais pas pensé aux flèches. C'est comme ça qu'on se soigne. Tu n'as pas de collier de vie. J'avais celui de ma mère, mais ils me l'ont volé. On doit corriger ça. Attends ! Et je fais quoi maintenant ? Faire. Tu dois redécouvrir tes racines, Sarento. Et avant tout, rejoindre la résistance, mais prends garde. Ces humains partagent nos ennemis, mais nous sommes différents. Non. Ils sont trop proches. Va, je te retrouverai au camp vers la cascade. Alors, du coup... La cascade, elle est là-bas. Trouvez un moyen d'escalader les falaises à droite de la cascade. Utilisez vos sens navis pour repérer et vous diriger vers le... Allez, quête. Bon, déjà, dès que je mets le sens navis, ça m'arrête de courir. C'est quoi ça? Je peux pas le récupérer? Pas utiliser la liane. La cascade. Ah, elles sont là. La base de la résistance doit être là-haut. Faut que j'arrive à monter encore plus haut. En utilisant vos sens navis, vous pouvez inspecter les plantes, animaux et autres éléments. Tirez sur une liane grimpante fermée pour libérer sa liane. Je fais comment si j'ai pas de flèche? Bon sang. Ah, là. On a ce qu'il faut comme au début. Donc, LB, fabriquer. En tout cas, franchement, c'est vraiment, vraiment très beau. Le jeu est super bien fait. Les couleurs magnifiques. Alors, saut chargé en courant. Pour sauter encore plus loin, faites un saut chargé en courant. Maintenir A et courir. Ok. Là, du coup, ça me fait redescendre. Il faut que j'aille où ? Ok. Déjà, je suis tout en haut de la cascade. C'est déjà un bon point.
C'est quoi qui s'affiche là? Quand je me mets sur les animaux. Inspecter, ok. Bon, de toute façon, hop, on va continuer. J'espère que ça va pas me faire tomber, ça. Je vais peut-être pas passer par là. Il y avait des choses ici. Donc, voilà, un chemin. Je me disais aussi que c'était bizarre que le saut il soit aussi haut. Enfin, loin. Donc là, on a le camp. QG de la résistance. Il faut que j'aille parler à Solek. Il y a des humains. Alors, où est Solek? Des solutions biomimétiques. Exactement, comme la voile dorsale des colosses soniques. La membrane. Déjà, je vais me refaire des flèches aussi. Blindage de nacelle, filtrage d'air, système de refroidissement. On peut en faire tellement de choses. Tiens, il est là. On n'entend rien du tout, Priya. Jean pense avoir compris comment régler ça. C'est fou, une nouvelle recrue. Je suis trop contente de te voir parce que bon, vous n'êtes plus très nombreux. Oh pardon, je suis désolée. Bienvenue au QG de la Résistance. Ouais, je sais. Oel Nyati Kamiye. Quoi? Utilisé au sens navire. Bon, ça s'est bien passé. Il t'aime bien. Tout va bien. Respire un bon coup. Oh. Ah, déjà la caisse. La complexité de la vie ici est incroyablement fascinante. Appuyez sur XLB pour lancer une grenade incapacitante. Les rations commencent à manquer. Ah, c'est ce tout à l'heure dans la cinématique. Je suis si content de te voir. On a entendu les tirs et Alma nous a dit de nous enfuir. Tu vas bien? Plus ou moins. Solek m'a sauvé. Où sont les autres? Riknella et Nor sont sains et saufs. Mais ils ont voulu rester dehors. Ils ne devraient pas. C'est pas dangereux? Ne t'inquiète pas, vous êtes en sécurité. C'est le principal. Qu'est-ce qui s'est passé? La tape est en ruine. Mercer a ordonné sa destruction quand on l'a évacuée. J'ai vu les murs s'effondrer. Sur vous. Je vous ai cru mort. Priya a entendu la RDA à la radio parler d'un signal à la tape. Je n'osais pas espérer. Ça fait si longtemps que ça? J'ai l'impression que vous êtes parti hier. C'est normal que tu aies cette impression. Mais ça fait presque 16 ans. Quoi? 16 ans? Alma. C'est pas possible. Vous devez comprendre. Vous revoir tous aujourd'hui. Vous n'avez pas idée de la joie que ça me procure. Je n'ai pas su vous protéger. Je ne ferai pas la même erreur, c'est promis. Écoute. Prends ton temps. Raj va s'occuper de toi. Taylan connaît bien les lieux. Il te fera visiter. Tu es chez toi, ici. Tu verras. 16 ans. Ça paraît irréel. Accompagner ouais, Taylan. Je ne sais pas... Je ne sais pas quoi en penser. Alma a raison. Nous pouvons vivre ici. Je le sens. C'est plutôt cool, non?
On a plein de matos. Ils me disent de manger, sauf que j'ai pas de nourriture. Et j'ai presque plus le ventre plein. C'est lui, Raj ? Il est plutôt cool. Pas quelque chose là aux alentours. Les gens commencent à s'habituer à notre présence. Certains de ces fruits sont. Vous devez être Raj. Non, c'est Rajinder. Oh, désolé, je. Alma m'a dit. Je connais Alma. Elle m'appelle Raj. Mais toi, je te connais pas. Je suis nouvelle. Relax, nouvelle. Je savais que tu venais. Tu as dormi longtemps. Tu dois être bien reposée. J'ai des vêtements propres pour vous tous. Alma a oublié de me dire que tu manquais aussi d'humour. Ok. Récupérer du nouvel équipement je auprès de Rajinder. À la cause. Et oui, c'est qui ? Troc. Rajinder. Tu as besoin d'une nouvelle tenue ? Alors. Où est-ce que je vois mes sous ? Parce que là, ils disent qu'il y a des sous. Ah, c'est un cadeau. Ok, j'ai des cadeaux, c'est sympa. C'est important, le style. Mettre une tenue, Navi. Je dois les aider à survivre. Ouvrir l'inventaire et équiper les nouveaux. Ah. Donc là, j'ai appuyé sur Start. Hop. Ok. Là, on a le style Navi. Il faut que je reparle à vous. Je peux Rajinder. Vous donner quelque chose en échange ? C'est gratuit. Pour cette fois. Circonstances particulières, bien sûr. En général, on prend ce qui nous tombe sous la main. Si tu trouves quelque chose de bien, dis-le-moi. Des vêtements Navi. Ils sont étranges, non ? Je crois que je les aime bien. Je veux garder ma casquette. Et d'autres trucs. Et tester cette technologie. Tu dois absolument rencontrer Alex. C'est une sorte d'inventeur. Tu as vite pris tes marques ? Ouais, ça fait bizarre d'avoir quitté la tape. Mais tout le monde est très gentil ici. L'inventaire est plein. Taylan, toujours dans les parages. Et t'es venu avec un autre navire ? Alex est notre bricoleur. Il fabrique des machines pour la communication, l'exploration. Et foutre le bordel, si mes réglages sont bons. Tu vois ça ? C'est mon SID. Mon système d'investigation des données. Il est plutôt cool, hein ? Adjir n'aime pas son nom, mais il y connaît rien. J'ai fabriqué ça en pensant aux Navi, pour qu'ils puissent exploiter les technos de la RDA. Je l'ai fait à partir de plusieurs objets. Et de la tape ? Oui, mais on peut l'enlever ou peindre par-dessus, si tu préfères. J'ai demandé plusieurs fois à Alma de l'essayer. Mais on peut le tester, nous ? Non ? On pourrait ? Ce serait amusant. Je peux en faire un pour chacun de vous. Vas-y, essaie-le. Alors, maintenez LB et appuyez sur Y. J'espère qu'il va pouvoir repérer le problème de notre système de filtration. Tu vois les fils qui passent sous nos pieds ? Tu devrais pouvoir les suivre jusqu'au panneau de maintenance. Tu veux essayer ? Alors, il faut que je répare le nodule, suivre le câble. Ah. Trop fort. Viser le... Et appuyer doucement. Ok, j'appuie doucement. En fait, il faut pas que j'appuie au maximum. Dès le début. Ok. J'ai capté. Tu peux y
En fait, il faut appuyer au fur et à mesure pour pouvoir réparer le truc. Plus j'appuie, plus ça resserre le cercle, en fait. Hop, il y en a encore. Alex, j'ai trouvé la panne, je crois. Un petit piratage et le système se réinitialisera. Tu peux le faire ? Alors. Ah oui, d'accord. Ok. Comme un petit labyrinthe. Il faut suivre avec elle. Ouais, là, j'ai un problème de nourriture là. À la fin. Mais je t'ai donné assez d'instructions. Alma est en train de réunir tout le monde. Tes amis sont toujours dehors, il me semble. Comment je fais pour manger ? Non. Alors, retrouver les Sarantis à l'extérieur. Il faut que je ressorte. Ouais, elle a pas dit un mot. Mais je sens encore son regard. RBA nous attend. Faut trouver à manger. Ça, c'est pour les flèches. Te voilà ! T'es là ! J'avais oublié la sensation de la brise sur la peau. Le goût sucré de l'air. Le bonheur de ne plus entendre Mercer et sa culture civilisée. Je ne me souvenais pas qu'il existait autant de couleurs. Je ne connais même pas leurs noms. Nous les apprendrons. Nous réapprendrons les coutumes Sarentu. Pourquoi Alma ne nous a pas emmenés ici avant ? Elle aurait pu aller à la tape plus tôt. C'était peut-être dangereux. Ça l'est toujours. Peu importe. On est libre. Je veux courir jusqu'à sentir la brûlure dans mes muscles et mes poumons. On pourrait partir. Là, tout de suite. Mais pour aller où ? Là où on le voudra. Tous ensemble. T'en penses quoi ? Toi, moi, Ritnella, Taylan, on pourrait vivre comme des Sarentu. Alma nous a fait venir ici pour une bonne raison. Elle réunit tout le monde à l'intérieur. Elle doit avoir un plan. Ne reste pas pour elle. Elle veut te contrôler, comme tous les humains. Non, pas tous. Alma a toujours veillé sur nous. Les gens l'aiment ici. Et c'est des gens bien, non ? Ils ont l'air sympas. Priya me prête même sa radio. J'ai l'impression qu'ils veulent nous aider. Allons voir ce que veut Alma. Peut-être que ça sera sympa. J'en doute fort. Nor, allez, viens. Tout le monde attend. Ok, ok. Donne-moi une minute. La lumière est différente ici. Je veux en profiter. Après avoir passé autant de temps dans une boîte en métal, au moins ce soir, nous dormirons sous les étoiles, comme nos anciens. Cette armure te va bien ? Ok, ça c'est pour changer mon apparence. Je crois que dressing. J'ai trop mangé. Mais c'était tellement bon. Assister au briefing dans le centre de commandement. Ah mais là, elle est presque au bord de la famine. Là. Je sais pas ce qu'il se mange là dans ce lieu-là.
Ça, c'est les trucs pour soigner. Ah, génial. Ok, bon, j'ai trouvé la cuisine, mais j'ai pas d'ingrédients, donc compliqué. Je viens de choper une ration. Bon, déjà ça c'est fait. Faudra que j'arrive à en retrouver plus tard. J'ai là. Si. John Mercer, fondateur du programme TAP. Les Sarentou le connaissent bien, mais beaucoup d'entre vous ne l'ont jamais vu. Il est revenu sur Pandora en tant que vice-président exécutif des opérations frontalières aux côtés de votre vieille amie de la TAP, la colonelle Angela Harding, comme chef de la sécurité. Il est ambitieux, égoïste, égocentrique. Et vous l'avez aidé? On combat la RDA depuis plusieurs mois maintenant. Quelle différence peut-il faire? Les tactiques de Mercer sont brutales. Ça, plus sa frustration après l'échec de la TAP. Nous devons établir une stratégie. Nos tentatives d'alliance avec les clans voisins n'ont rien donné. Certains Aranahe étaient prêts à se battre. Mais après avoir subi des pertes, ils ont changé d'avis. Nous ne sommes pas allés plus loin avec les Essois. Ils sont forts, mais ils refusent toute alliance avec les humains. Ton clan abritait des voyageurs, des conteurs, des diplomates. Il était respecté. Les Na'vi t'écouteront. Alma, on a un pic de pollution pas loin. Genre vraiment tout près. Regarde les niveaux, c'est forcément la RDA. Ils sont là? Mercer aussi? Non, pas lui. La pollution provient des engins de la RDA. Ils doivent installer un site de forage classique. Ils lacèrent la terre, l'empoisonnent, la souillent. Ils n'ont jamais été aussi près du QG. S'ils explorent les environs, ils vont nous tomber dessus. Il va falloir faire profil bas. So, Lek, tu peux établir un périmètre de sécurité? Anka, essaie de joindre Adjir par radio. Je pourrais saboter le site de forage. J'ai compris comment fonctionne le site. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Laisse-la y aller. Je l'ai vu se battre. Ça va aller. D'accord, mais fais attention à toi. Les autres, préparez-vous à intercepter d'autres patrouilles. Laissez vos radios allumées. Prudence. Si la RDA te voit sur le site de forage, ils attaqueront. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Prépare tes flèches. Concentre-toi. Prépare tes flèches. Les ressources près du sas principal. Je ne comprends pas. Harnais de guérilla. Là aussi, il y a un truc à récupérer. À force de me battre contre Mercer et ses sbires, j'oublie parfois qu'il n'est qu'un pion dans l'échiquier. Il y a plein de petites tablettes comme ça. Tant que je n'ai pas eu de nouvelles de Jake. Jake attaque des camps de mines et des ravitaillements de la RDA. Nous devons l'aider. Les camps de mines se concentrent largement dans les secteurs 3 et 4, mais on dirait qu'ils commencent à se disperser. J'ignore comment ils choisissent leur zone. Priya pense que les ballons que nous avons aperçus pourraient être équipés de scanners. Il faut que je me penche là-dessus. Nous attaquerons les ravitaillements en petits groupes. Nous essaierons d'attaquer et de partir avant l'arrivée de la RDA. Je fais tout ce que je peux pour réparer les erreurs que j'ai commises par le passé. J'imagine. Alors, neutraliser la tour pneumatique Echo. Alors par contre, elle est où? Alors la map, comment je la récupère déjà? Je me rappelle plus. Hop. Station. Tour pneumatique. Ok.
Alors j'ai mis le curseur. C'est presque en face. Normalement c'est par là. Il n'y a pas de point lumineux en tout cas qui s'affiche, mais on va y aller. Ah, brochette de viande, ça va être pas mal. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ouf, c'était pas ça que je voulais faire. Non ! Pourquoi je tape ? Fallait que j'appuie sur L. Tant pis. Alors. Elle est hyper loin en fait. En tout cas, c'est tout droit. Oula, faudrait pas que je tombe. Je vais aller sur la liane, j'ai vu une liane. Mince, ça commence à avoir faim déjà. On arrête pas de manger là-dedans. Hop, je vais descendre ici. Alors, Cass avait nul. Cos avait nul, pardon. De la forêt de Kinglore. Ok, donc ça peut me servir si j'utilise les flèches. Et qu'il y a des ennemis à côté. Petits animaux. Je suis vraiment à côté, quoi. Ça devrait être par là. C'est trop bizarre parce qu'elle est morte, la nature, là. Elle est toute grise. Hé, Priya, je suis près du site de forage. Le sol ici est... Chaque fois que la RDA s'installe, c'est la même chose. Leur équipement pollue tout ce qui est autour. Tout. L'étendora est forte. Tu les as ? Avoir bossé à la RDA a ses avantages. Je rigole. Et ils sont pas sympas. Il semblerait qu'on ait deux éléments. Alors, tour pneumatique. Ok. Donc détruire le générateur, pirater et détruire l'unité. Alors, on doit pouvoir saboter le site sans avoir à les affronter, si tu préfères. Sauf s'ils devront faire, bien sûr. Donc à quoi ça ressemble ? Ah. Utilisez vos sens navi pour repérer et attaquer plus facilement les points vulnérables. Déjà, faudrait que je la trouve. Ok, j'ai vu le point. Là, on voit le point bleu. C'est là où il faut que j'aille. Là, on voit également les ennemis.
Donc là pour le moment il me voyait pas. Comment je vais faire? Vous allez me dire ici, ils vont pas me voir. Alors ça c'est la boîte à fusibles. Ils me voient pas, hein. C'est génial. Bah je vais tirer une flèche je pense. Ah oui mais non, mais si je reste là ils vont me voir direct, ils vont savoir où aller. Mince, mon inventaire est plein. Je crois qu'il m'a vu. Merde! Oh là 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 là, n'importe quoi! Oh là 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 là! Il est juste à côté. Mince. Recule-toi. Ah bah ok. Ah. Oh mais il y en a encore. Ah non. Je crois que je les ai tous tués. Alors, comment je fais déjà pour récupérer Y? Tac. Petit labyrinthe, c'est fait. Ok, c'est détruit. Ah. Voilà.
Elle renaît, la nature renaît. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Vous m'entendez? Je suis dehors avec les autres. On a entendu l'explosion. Est-ce que tout va bien? J'ai détruit les foreuses. On est tranquille pour un moment. Alors, on a trouvé quelque chose là-haut. Une sorte de grosse fleur. Les autres sont excités, mais je sais pas trop. Tu peux venir voir? Alors, rencontrer Télan et les autres Serantins au sommet de la falaise. Faut que je retourne là où j'étais. Du coup... Let's go. Bon, le combat a été dur quand même. J'ai fait un peu le boulet. Je sais pas si j'aurais pu faire la mission sans me faire repérer, mais bon. J'ai pas réussi en tout cas. Et je vais aller prendre la liane. Comment je fais pour récupérer ça? Ok. Tout est phosphorescent, c'est trop bien. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez du jeu? Pour le moment. Ou même ceux qui ont déjà joué. Ah ouais, t'es pas fan? Enfin, d'Avatar. Moi déjà, les films, j'ai adoré. Mais là, le jeu, il est génial. Moi, je kiffe. Mince, elle est où l'entrée? J'arrive pas à monter. Ah bah elle est là. J'étais passée à côté. Ah mince, sommet de la falaise, donc faut que je retourne à la falaise en fait. J'avais pas bien lu. Alors la falaise, elle était par où? Je crois que c'était par là. Pourquoi je les vois pas apparaître? Alors, la falaise. C'est là?
Ah ouais, tout en haut. Ah, il y a du chemin là. Alors comment je vais faire pour monter? Il y a un grand arbre. Oh, c'est quoi ça? On dirait une méduse géante. Oula, pas de bêtises, on va pas tomber. Pour moi, c'est par là. Ouais, c'est ça, je suis pile devant. Alors par contre, comment je vais monter? Je sais pas du tout. Je me suis trompée. Je vois pas le point. C'est bizarre. Alors, par où je dois passer? Déjà là, il y a une grosse liane. Faudrait que j'arrive à... Faudrait que je sois là-bas. Aïe, 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 aïe. Je vois pas de liane. Qu'est-ce que je fais dans l'arbre, moi? Essayez par là. Fana lézard. Un lézard qui se roule en boule la nuit et dont l'intérieur du corps s'illumine. Ok. Ouah. Passage dans la grotte, là. Et lui, il sert à quoi? Mante rusée. Insecte coloré, c'est tout. Ok. Ah, ça y est, une liane. Bon ben, on va passer par là. Hein. C'est le seul chemin, de toute façon. Pourtant, je suis en train de m'éloigner.
une autre liane. Alors, où est-ce que je suis ? Alors, je suis vraiment à côté. Ça se trouve, je vais même pas dans la bonne direction. Mon œil, il me dit que c'est par là, donc. Hop. Une autre liane. Super. Alors, pourquoi il me dit de redescendre ? Trop bizarre. Tu sais, il me dit qu'il faut que je redescende mon œil. Il y a des drôles de bruit, hein. Honnêtement, je pense que je suis pas dans la bonne direction. Je vais regarder à nouveau la map, mais... Pourquoi il y a un point, là ? C'était marqué au nord-ouest. Alors, c'est marqué au nord-ouest de la tour pneumatique. Là, je suis bien au nord-ouest de la tour. Ouais, c'est ça. Sommet de la falaise. En fait, ils affichent pas les points où il faut que j'aille. Quartier général. Tige cloche. Je peux pas zoomer. Est-ce que vous avez une idée ? Parce que là, honnêtement, j'ai l'impression que je vais à un endroit qu'il faut pas. Sommet de la falaise. Je suis pas encore au sommet. Je dois être proche alors. T'as pas d'idée toi ? Ok, bon. Je vais continuer, c'est pas grave. Au pire, je découvre tout le reste du jeu. Mais d'après ce que j'ai vu, la map elle est quand même vachement grande. J'ai qu'une petite partie pour le moment de visible. J'ai mon œil. Alors,
Là, tu vois, sur le côté de mon centre d'œil, il me dit... Alors déjà, là, on voit en fait le cercle, ça fait comme un iris. Et là, il est comblé. Ah, c'est quoi cette marque rouge là-bas ? Tige cloche. Les spores de cette plante ont la capacité d'augmenter la vitalité du Navi. Ouais, je sais pas. Ouais, je suis au sommet, hein. On peut pas dire le contraire. Ah non, pas encore. Ouais, je suis en train d'aller n'importe où. C'est pas du tout par là, Ney. Pas monter plus. Pourquoi il se serait aventuré aussi loin? Non, je peux plus monter. Non. Bon. J'ai plus rien, je vois plus rien. On va redescendre. J'ai plus rien de lumineux sur mon iris. On va redescendre. Oh là, j'ai bugué. Donc là, je suis où par rapport au point ? Une plante qui rétracte ses feuilles lorsqu'on la touche, oui. Ok. Ah, ça je l'avais pas vu tout à l'heure. Bon, donc, je vais par où ? Gauche. Oula, oula. J'ai failli sauter dans le vide. Je vois plus rien. Pourquoi ? Gauche. Là, je suis en face, quasiment. Qui est censé être par là. Pourquoi je le vois pas ? Je viens de par là. Aller par là, hop. Ah oui, tout à l'heure je suis passée par ici. Je me rappelle. Hop. Ah, ça y est, j'ai le truc lumineux qui est réapparu. Du coup, il me dit que c'est en bas. Oula, je croyais que c'était une plateforme. Pas du tout. Pfff.
la vache. J'ai failli sauter dans le vide. Alors, où est-ce que je vais avoir... Yes, descendre. Avec la liane. Ah, c'est là. Ah, les champignons, ils font un petit escalier. Sympa, ça. Ah bah, je suis passée à côté tout à l'heure. Bon, du coup, c'était pas ça que je cherchais. J'ai pas retrouvé son pote. Les tiges cloches augmenteront légèrement votre santé maximum. D'accord. Vous pouvez en trouver dans différentes régions. Pandora. Du coup, ça me dit pas où est-ce qu'il fallait que j'aille. Là, ici, on a un petit point lumineux. Mais c'est pas le nord-ouest de la tour. Sur la falaise. Non, sinon ils auraient dit au nord. Mmh. Par contre là il y a un totem en forme de bout de flèche là. Non, honnêtement, je vois pas où est-ce que c'est. Pourtant, là, je suis tout en haut de la falaise, quoi. Après, lui aussi, il est au nord-ouest, si on regarde bien. Je peux tomber avec la cascade ? Est-ce que ça va me faire mal si je vais tout en bas ? Oula ! Ok, bah je suis pas morte en tout cas. Je fais une descente rapide. Elle nage. Bah quand je regarde la map, je vois pas d'indication. Il y a juste là, enfin je peux pas te le montrer avec le doigt. En haut à gauche, il y a marqué la mission. Rencontrer Taylan et les autres Saruntus au sommet de la falaise. Mais et c'est marqué au nord-ouest de la tour pneumatique. La tour pneumatique, elle est là. Et le nord-ouest, quand on regarde la boussole en bas à droite, eh ben ça tombe là où j'ai été. C'est le quartier général. Honnêtement, là je suis coincée, j'arrive pas à comprendre. Par peut-être là où il y a la flèche, là. Ce serait ballot parce que là, je viens de redescendre. C'est vrai que ça tombe au nord-ouest également. Ouais, je vais essayer. Parce que je pense que c'était ici que j'avais essayé de monter tout à l'heure.
en fait, c'est peut-être ici. Bon, je vais remonter, on verra. Soit là, je pars dans des théories, j'en sais rien. Alors, par où je peux grimper ? Là-bas. Non, c'est pas ça. Oh là là, je suis tombée où, moi ? Je repasse par là, on verra. Parce que là, à partir d'ici, après, je vais où ? Bah là, je sais pas. J'aurais pas dû descendre par la cascade. Ouais, au sommet, faut monter. Compliqué, là. Je pense que je vais redescendre et réessayer. Ouh ! Ouh là là, ouh là là. Ah ! Ouh, je vais me faire mal. Non, ça va. Ok. Bon, cette fois-ci, on fait rien de débile. Il y a plein de trucs. C'est quoi ça? Donc. Alors. Je vais remettre un point. Est-ce que je peux le mettre comme ça? Ouais. Donc il me dit que c'est par où. Déjà je vois même pas sur la... mon iris. De toute façon il faut que je monte. Ok, par là. Ok, je suis passée tout à l'heure. Là. Je sais pas où il est parti. Je crois que je lui ai fait des fissures. Oui, il est parti. Ok, je regarde. Alors, je suis à ce niveau-là de la falaise. Donc, je suis presque revenue à la tige cloche. Ok, là, il y a une liane.
Encore une liane. Ok, où je suis? Donc là, j'ai passé la tige cloche. Bon, j'ai pas le choix de passer par là. On monte, on monte, on monte. Alors, j'en suis où maintenant? Ah, je suis proche, là. En espérant que c'est par là. Quel intérêt d'aller aussi haut ? Il y a un grand arbre là. Allez, c'est parti, on court, on court. Ah, je l'ai fouillé tout à l'heure. Ok, donc là je dois être... Bah, je suis à l'endroit de la petite flèche. On a une liane. Mais il n'y a personne. Bah, je crois que c'était pas par là, hein, finalement. Oui, il y a un feu là. Mmh. Eh ben, je me suis trompée de chemin. C'était vraiment, mais vraiment pas par là. Oh, c'est quoi ça? Ah, mais tout à l'heure, je suis passée par là. Je suis montée tout à l'heure au sommet de celui-là. Ouais, c'est malin. Du coup, je sais pas où aller. Aïe, 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 aïe. Compliqué. Hein. Oh, parce que quand je fais l'iris, y a personne, y a rien du tout en haut. Pourquoi la musique a changé ? C'est cette montagne-là ? Ben, je vais aller voir alors. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen facile pour y aller ? Non, je suis obligée de redescendre. Il
Il y a un point violet. Ouais, je l'ai vu sur la map. Mais tout à l'heure, il n'y était pas, le point. C'est trop bizarre. Oula. On a besoin de moi ailleurs. Sortie de la zone jouable. Eh ben non, c'est pas par là. Bon. Non. On recommence. Eh ben je vais descendre. Hein. Alors l'observatoire, je l'ai vu. Du coup, c'était pas là. Je vais retourner à la tour. Quoi, non? Oui, je sais, j'ai le point violet, mais je peux pas. Je peux pas y aller, regarde. Je vais te montrer. Alors, attends. Elle est où, la tour? Là. Je te montre. Je devrais rester dans la frontière occidentale. Sortie de la zone jouable. Réapparition dans 6 secondes. Ah, non, pas celui-là. Alors, point violet. Ah, là. Je l'avais pas vu. Alors, du coup, c'est par où? Ah là 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 là. Je crois qu'elle a une vie infinie. Elle est invincible. Quand elle tombe... Dans... Ah ! Ah, pourtant ça me disait par là. Pourquoi je peux pas aller par là ? Ah si, je peux y aller. Ah, je suis pas passée par là tout à l'heure. À ma gauche. Faut que je continue par là. C'est le vide complet là. Oh là 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 là. Ouais, donc c'est par là-bas. Oh, les arbres, ils sont trop bizarres. On a besoin de moi ailleurs. Ah, je peux pas y aller par là. Oh, bah oui, je suis pas dans la bonne direction. Oh mon dieu, j'ai eu peur.
comment elle crie. Ah bah finalement elle prend des dégâts quand elle tombe de très haut. Au moins maintenant je sais. Ah, je suis revenue à la base. Et normalement, ça me dit par là. Donc, c'est cette falaise-là. En haut de la cascade. Hop. Jouer une liane, monter par là. Après, il n'y a pas de suite. Ok. Ah, c'est compliqué là. Où je peux passer? Ah, ça y est, j'ai un iris violet. Non, c'est pas par là. Je sais vraiment pas par où monter. Ça me dit bien que c'est ici, le point où il faut que j'aille. Voilà. Mais comment y aller? Je vois pas de liane, je vois pas... Ok, je suis montée. Allez, encore un petit peu d'effort. Je devrais rester dans la frontière occidentale. Bah non, pourtant le point il est par là. Bon bah c'est pas par là.
Pourquoi il veut pas que je monte? Ah, bon, je suis en train de retomber là. Ok. Oh là. C'est pas du tout par là. Bon, je suis en train de tomber. Bon, bah, je vais regarder un petit peu sur internet, et puis on se retrouvera pour le prochain live. Et bah écoutez, ce sera pour la semaine prochaine. On se retrouve pour la suite Avatar, et j'espère que j'aurai trouvé la solution d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine, salut!